Bonjour tout le monde, aujourd'hui est mercredi le 28 juin 2017. On approche justement la fête du Canada. Écoutez, ça roule sur Internet ce temps-ci, entre autres sur Facebook, YouTube et tout ça. On a parlé de M. Étienne Chouard qui parle justement du fameux président Wilson en 1913. Qui a privatisé les banques afin d'endetter les populations par leur gouvernement, parce que le gouvernement a abandonné ses pouvoirs et son autorité au système bancaire mondial. Et ça a débuté ça en 1913. Et il y a eu ensuite de ça, en 1917, l'impôt de la guerre au fédéral ici, qui a violé la Constitution canadienne de 1867, qui est l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et étant donné que personne n'a été puni, il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un juge, il n'y a pas un notaire, il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre, mettez-en, qui a été puni pour avoir violé l'acte de l'Amérique du Nord britannique depuis 1913, bien automatiquement l'acte de l'Amérique du Nord britannique ne vaut plus rien. Puis vous savez quand même que la fameuse dévolution des lois, les lois ne peuvent plus faire objet de désaveu, étant donné que ça a été décidé par nos gouvernements depuis 1867, mais vers les années 1893 à l'heure aujourd'hui, bien qu'il y a eu quand même des lois qui ont été déclarées inconstitutionnelles, mais n'ont pas été désavouées. Donc, une déclaration d'une loi inconstitutionnelle ne veut pas dire que c'est une loi désavouée. Donc, elle devient un décret. Elle devient un décret, ça devient un règlement. C'est plus une loi, c'est un règlement. Le gouvernement a dit, OK, on la déclare inconstitutionnelle. Il n'y a pas un juge qui est autorisé à servir la monarchie, donc le pouvoir exécutif du Canada, pour désavouer cette loi-là. Les juges appartiennent au gouvernement, ils appartiennent plus à la reine. Donc, ça, c'est pour d'entrée de jeu, parce que hier, je lisais plusieurs commentaires, je regarde justement... les vérités qui ont été révélées par Jean-François Dubois, c'est extraordinaire, c'est excellent. Michel Lebrun, c'est un bon professeur. Michel Lebrun, c'est l'avocat, justement, qui me représentait contre Revenu Canada en 2014. C'est certain que cet homme-là était sous serment de confidentialité. Et le 12 décembre 2014, ben, on a été obligé, c'est-à-dire... le gouvernement m'a emprisonné malgré les efforts de mon avocat, mais mon avocat ne pouvait pas utiliser le jugement des juges François Godbout, il ne pouvait pas non plus utiliser le jugement des juges Bisson, Deneau, Fontaine de la Cour municipale à Montréal, il ne pouvait pas non plus utiliser le jugement du juge Rénal Fréchette qui est malheureusement décédé, et ce jugement-là... obligeait le respect et l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne de 1975, qui est complètement quasi-constitutionnelle, donc ça veut dire qu'elle n'est pas constitutionnelle. Si elle n'est pas constitutionnelle, elle est non-constitutionnelle, il n'y a pas de constitution. Et ça, c'est Benoît Pelletier, quand même... qui l'a révélé publiquement, bien qu'il dit que, ici, en 1982, quand j'ai passé à l'émission Enquête le 21 mars 2013, avec justement Régent et Jean-François Dubois, Benoît Pelletier a maintenu que le Canada, c'était le statu quo, malgré le rapatriement de la Constitution, c'est clair comme avant. C'est un avocat du barreau du Québec, donc il est formé pour mentir. Et donc c'est le statu quo. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de rapatriement, que l'acte de l'Amérique du Nord britannique continuait à s'appliquer, ainsi que la province de Québec, la province de l'Ontario et tout ce que vous voulez. C'était complètement faux et je l'explique quand même maintes et maintes fois depuis les clips vidéo précédent que je vous ai fait parvenir. Il y en a un, entre autres, que je suis rendu à 6333 personnes qui l'ont écouté. Écoutez, je suis le greffier du grand jury des Patriotes Canada-Québec. Nous avons le mandat de juger nos dirigeants, nos gouvernants politiques et judiciaires par ce mandat-là.
des documents ont été signifiés par huissier aux autorités de l'administration de la justice fédérale et aux autorités politiques et judiciaires ici au Québec. Entre autres, la Cour supérieure du Québec est partie mise en cause au dossier. Donc, le juge en chef de la Cour supérieure, M. Fournier, est mis en cause au dossier. Vous savez que Nicole Hassler-Duval, qui est la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, ne peut plus juger dans mes dossiers puisqu'elle a refusé de maintenir la désignation d'État national du Québec par la loi 20.2 de l'an 2000, qui est fondée sur l'article 15 de la loi A23.1, qui est la loi de l'Assemblée nationale de 1982, alors que l'Assemblée nationale a été tout simplement créée en 1968, et Marc Lalonde lui-même, qui était député à l'époque, a dit que le Québec était une république. Et ça, c'est dans le Journal des débats de 1968. Donc, écoutez, étant le grand jury des Patriotes Canada-Québec, c'est certain que j'ai passé devant plusieurs événements. Entre autres, quand j'ai été emprisonné, on m'a forcé à signer 7 déclarations de revenus sous la menace d'emprisonnement. Et j'ai présumé que mes agresseurs, justement, les délictuels administrateurs de la justice, étaient de bonne foi. Et que si je signais les 7 formulaires de déclaration de revenus, on me libérerait. C'est pas ce qui s'est passé. J'ai signé les 7 déclarations de revenus. Et vous savez, en plus de ça, qu'ils ont choisi ma signature, parce qu'à 3 reprises, ils ont refusé ma signature, parce qu'ils disaient que c'était pas ma signature. Entre autres, j'avais une signature qui était sur affidavit, et ça a tout été refusé par le ministère de la Justice, qui était représenté par l'avocat Guy Fontaine, qui est aujourd'hui au bureau du juge Delisle de la Cour supérieure. C'est lui qui est rendu à son bureau. Et vous savez que dans ce fameux dossier-là, le formulaire d'amende qui est à tout près de 9 000 $, le formulaire SJ-770, il y en avait 2. Un pour 91, 85, 88, 60 Québec Inc., qui était une compagnie en numéro de Jacques Normandin, la personnalité juridique. Et il y avait Jacques Normandin, la personnalité juridique, 231, 249, 525, qui est son numéro d'assurance sociale. C'est eux qui étaient poursuivis. Et je n'ai pas, moi, comme le représentant autorisé de Jacques Normandin et de la corporation, je n'ai pas signé le formulaire d'amende SJ-770 qui était presque à 9 000 $. Et ils ne peuvent pas collecter cette amende-là. Je sais que le fédéral a essayé par des agences de recouvrement, mais étant donné qu'il fallait que je signe dans un espace où c'est écrit « délinquant », sur le formulaire, et je ne suis pas un délinquant, donc j'ai refusé de signer. Et ils ont malgré tout envoyé des gens, justement, des collecteurs, des agences de recouvrement pour essayer de recouvrer cette somme-là, alors que je n'ai pas signé parce que je ne suis pas délinquant. Et la Cour ne peut pas faire la preuve que je suis délinquant. Ils sont obligés de débattre de l'avis d'intention selon l'article 76 du Code de procédure civile. Et si on débat de tout ça avec moi, je viens de jeter le système au complet à terre. Et la Fédération n'existe plus. Il n'y a plus de Canada ici. Il n'y a pas de province non plus. Le Québec n'est pas une province. Le fédéral n'est pas un pays. Le Parlement canadien est complètement délictuel comme le Parlement du Québec. Donc, vous savez que là, actuellement, ils sont dans une fâcheuse situation. Et auparavant, en l'an 2003 et 2004, il s'est produit la même chose quand je poursuivais Revenu Canada et Revenu Québec, ainsi que Jean Charest, qui était dans ces dossiers judiciaires-là. Et dans ce dossier judiciaire-là, il y a le numéro 500-22-0886-1031. Et l'autre, c'est 500-22-0891-915-036, sont des dossiers judiciaires dans lesquels je poursuivais Revenu Québec, Revenu Canada, le Conseil canadien de la magistrature, le Conseil de la magistrature du Québec, le procureur général du Québec, le procureur général du Canada, Jean Charest. Le mis en cause, c'était le gouverneur général et le haut commissariat, le haut commissaire de Grande-Bretagne.
tous ces gens-là devaient comparaître le 9 janvier 2004 et personne ne s'est présenté. Et la greffière spéciale de la Cour supérieure, Mme Bernier, a refusé de rendre jugement par défaut de comparaître et de condamner la partie défenderesse que je viens de vous énumérer, qui ne s'est jamais présentée. Et à l'automne 2004, devant le juge Paquette, ils ont pris mon même numéro de dossier judiciaire fiscal et ils m'ont déclaré plaideur vexatoire, en plus du juge Jacques Paquette, qui s'est acquitté d'un déni de justice lui-même et qui a refusé ma demande de déférer la cause devant la Cour supérieure du Québec. Et c'est là qu'on m'a déclaré plaideur vexatoire. Aujourd'hui, on est rendu en 2017, et ça, c'est depuis 2004. Écoutez, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Donc, j'ai eu dans ce dossier-là un mémoire de frais de 30 000 $ à la Cour du Québec, dans un dossier fiscal. Si ce n'était pas un dossier fiscal, il n'y avait pas le droit de m'envoyer un mémoire de frais qui dépassait 700 $ par dossier judiciaire. Vous comprenez? 700 $. Et ils m'ont envoyé, ils ont jumelé, la juge Brigitte Gouin a jumelé les deux dossiers ensemble, qui est deux dossiers fiscaux, et ils m'ont envoyé de la Cour du Québec un mémoire de frais de 30 000 $. Donc le gouvernement du Québec et du Canada me doivent 1 000 000 $ par mois à vie depuis le 9 janvier 2004 avec intérêt composé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ce dossier-là n'est pas terminé et justement, les huissiers viennent de déposer dans ces deux dossiers judiciaires-là le fameux recours collectif en question parce que je suis là comme greffier du grand jury des Patriotes Canada-Québec pour servir le peuple, pour servir Sa Majesté la Reine Élisabeth II, que tout le monde déteste, mais moi je sais pourquoi je la sers. Et je suis là pour protéger les droits au nom de la Reine d'Angleterre, pas au nom des milliers de reines. Mettez-vous donc dans la tête que c'est tous des rois et des reines ici qui cachent la Reine d'Angleterre, mais qui ont pris ses pouvoirs et son autorité. Pouvez-vous comprendre ça? Et personne n'essaie de comprendre ça. Tout le monde en a contre la reine, contre les religions et tout ce que vous voulez. Alors qu'il y a des gens de bonne foi dans les différentes religions de la planète, des gens de bonne foi qui ont au moins une foi quelque part. Mais ici, il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument rien. En 1997, ils ont aboli l'enseignement de la religion dans les écoles au Québec par l'abolition de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Ça, c'est en 1997, alors qu'on n'a pas signé la Constitution en 1982. Et Guy justement, l'avocat Benoît Pelletier continue à dire que c'est le statu quo et que tout se passe comme avant. Écoutez, c'était le gouverneur général, c'était Roméo Leblanc, qui était gouverneur général à l'époque, et c'était Jacques Brassard du Parti québécois qui donnait la main avec Roméo Leblanc pour l'abrogation de l'article 93 qui supprimait la monarchie ici. Alors que quand vous passez en cour et que vous êtes accusé, c'est toujours au nom de la reine, c'est toujours la reine qui vous poursuit, alors qu'il n'y a pas de reine ici, ils sont en haute trahison. Et vous savez que dans le code criminel actuellement de 1866, la seule façon, ou si on veut, la peine capitale actuellement s'applique toujours à ceux et celles qui sont en haute trahison contre la reine. Puis ça, c'est en 2017. C'est le seul élément qui permet d'appliquer la peine capitale, c'est à ceux qui ont violé, qui sont en haute trahison, en sédition, en mutinerie contre notre souveraine britannique qui travaille pour vous. Quand elle a signé la Constitution en 82, elle l'a signé dans le haut du document complètement. Donc, tout ce qui est en bas, ça ne compte pas. Alors que tout ce qui est en bas, c'était ça qui était le document du rapatriement de la Constitution. Puis elle a signé en haut du document avec Jean Chrétien. Alors que Ouellette et Trudeau, puis Elliott Trudeau ont signé dans le bas du document ce fameux traître qui, par la loi de l'harmonisation, hein, le chapitre 4 de la loi d'harmonisation, en 1985, bien écoutez, ils ont supprimé le Code civil du Bas-Canada. Ils ont supprimé les traditions, la Magna Carta, la tradition du droit commun, du Code civil, ça a tout été supprimé. Et le nouveau Code civil de 1991 n'a pas d'origine. C'est la loi du Québec, LQ chapitre 39, de 1980, avant le rapatriement de la Constitution.
Alors que Benoît Pelletier disait lui-même que la Charte des droits et libertés de la personne de 1975 est quasi-constitutionnelle. On parle de 1975. Pourquoi que c'est quasi-constitutionnel? Parce que l'Assemblée nationale est quasi-constitutionnelle. Donc, je me répète, aucun ne peut bâtir la vérité sur du mensonge. Donc, ni un pays imaginaire qui est le pays, on ne peut pas bâtir un pays imaginaire, celui qui s'en vient actuellement par le Québec, à partir d'un pays réel, qui est le pays du Québec de 1968, mais qui est complètement délictuel, qui est complètement délinquant. C'est un pays qui est complètement désordonné. On ne peut pas arriver et accorder notre confiance à des structures qui ont eux-mêmes violé leur constitution pour s'en bâtir une constitution à eux autres, pour faire du Québec un pays. Mais on violer l'acte de l'Amérique du Nord britannique et ces mêmes personnes-là vont construire, vont appliquer, vont adopter, vont sanctionner eux-mêmes, pas la reine, rien, là, n'importe qui, une constitution du Québec. C'est la loi 20.2. La loi 20.2, c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Et cette loi-là n'est même pas respectée ni par les juges, ni par les avocats, ni par les notaires, ni par les députés, ni par les ministres. Ce n'est pas jamais respecté sur papier avec leur signature. Mais quand vous écoutez l'Assemblée nationale, on parle d'État du Québec. Jean-François Lisée s'amuse à dire que le Québec, c'est un État et tout ça. Ça, ben oui, il lit mes documents. C'est officiel qu'il dit que le Québec, c'est un État. Mais qu'il n'a jamais signé que le Québec, c'est un État, par exemple, il ne veut pas le faire. La même chose que les tribunaux judiciaires, quand vous êtes poursuivi au criminel comme au civil. Au criminel, c'est du statutaire. Au civil, c'est du droit commun. Ben, il désigne toujours le Québec comme étant la province de Québec en 2017. Alors que c'est l'État national du Québec depuis l'an 2000, la loi 20.2, et c'est la République du Québec depuis 1968, quand ils ont créé l'Assemblée nationale, mais qui ont adopté la loi, par exemple, 14 ans plus tard, en 1982. Imaginez-vous, c'est vraiment ridicule ce qui se passe ici. Donc, le fameux mémoire de frais de 30 000 $ dans mes dossiers judiciaires de 2003-2004 n'a jamais été payé. Et le gouvernement n'est pas capable de collecter ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils le collectent, ils sont obligés de répondre à mes questions. Et s'ils répondent à mes questions, le Canada est fini. Trump, il peut s'amuser avec le Canada comme un chien s'amuse avec une balle. Puis Trump, c'est un homme intelligent, c'est un gars que je lui lève mon chapeau. Les médias d'information sont contre lui, et on est, nous, on devrait être contre les médias d'information qui nous mentent à tour de bras. Donc, écoutez, je suis le greffier du grand jury des Patriotes Canada-Québec pour le recours collectif contre le ministère du Revenu Canada-Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré. Et je salue Étienne Chouard, qui nous a informé qu'en 1913, le président Wilson a donné tout le pouvoir monétaire et le pouvoir bancaire aux banques à charte privée pour nous endetter. Et c'est la même chose pour le Canada ici. Et c'est de l'argent, imaginez, le tiers de l'argent, et actuellement, le tiers de l'argent, c'est... Puis je dirais même pas le tiers de l'argent, on a tout simplement 4 680 $ d'argent émis pour une famille de 2,61 enfants ici au Canada. Et tout le reste de l'argent, puis ça c'est émis par la Banque du Canada. Alors que les banques à charte privée qui prêtent au gouvernement, c'est de l'argent NSF sans provision, il n'y a même pas de billet de banque, il n'y a absolument rien, c'est tout simplement un trait de plume à l'encre, tout simplement, sur un bout de papier, et ça produit des intérêts chaque seconde, 24 heures par jour, 365 jours par année, ça vous endette, alors que nous autres, on ne travaille plus. On a des gouvernements, c'est les milliardaires qui administrent le pays, qui administrent nos gouvernements, qui administrent l'administration de la justice, c'est les milliardaires, et les millionnaires, c'est des pauvres. Pareil comme la classe moyenne et pareil comme la classe pauvre. C'est des pauvres les millionnaires, parce que les millionnaires, premièrement, leur compte de banque ne leur appartient pas. Ça appartient aux banques et ces millionnaires-là, combien qu'il y en a qui ont perdu leur propriété actuellement? Combien qu'il y en a? Il y en a beaucoup qui ont perdu leur propriété parmi ces millionnaires-là. Et le gouvernement ne peut pas absolument rien faire là-dessus. Donc, au contraire, c'est le gouvernement qui se trouve actuellement à voler ces gens-là,
qui ont quand même contribué par leurs taxes et leurs impôts à faire ces petites fortunes-là qui appartiennent aux banques. Alors qu'un milliardaire, lui, il a assez d'argent, il est capable, c'est lui qui contrôle les banques et vos impôts vont tout simplement pour payer les intérêts des milliardaires qui prêtent de l'argent aux banques parce que les banques prêtent cet argent-là ensuite de ça à nos gouvernements. Donc, vous allez voir ça quand que vous avez votre chèque d'assurance chômage ou quoi que ce soit qui vient du gouvernement et vous allez voir que c'est une banque privée, ça peut être la Banque Royale, la Banque Nationale ou n'importe quoi d'autre, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le système monétaire et bancaire canadien n'existe plus. Il est complètement délictuel. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je mets ça sur Facebook, je mets ça sur YouTube. J'envoie des documents plus explicatifs aussi. Faites circuler ce fameux document-là. Il est quand même important. Et vous savez, comme disait Étienne Chouard, Wilson, ben, il a tout simplement adopté en 1913 tout ce qu'il fallait. C'est des sanctions. C'est même pas passé par le gouvernement comme tel. Il a abandonné la Constitution américaine aux banques. Et en 1917, le Canada a adopté, lui, par le fédéral, la loi de l'impôt sur le revenu, qui est en anglais, qui n'a jamais été traduite en français. Donc, elle est complètement illégale, anticonstitutionnelle et tout ça. Alors que le Manitoba, lui, il a fallu qu'il traduise en français toutes ces lois. Sinon, les lois devenaient nulles. Ça avait été décidé par la Cour. À bon entendeur, salut, bonne journée.